Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir aujourd'hui la suite de cette présentation, mais surtout le plus important, le test de ce fameux DCD simulation. Donc il s'agit donc du Wind Simulation 500 CFM. Je vous avais présenté ceci il y a quelques jours concernant l'emballage, la livraison, etc. Aussi le contenu. Et aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui le test. Donc je vous avais fait la vidéo. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous mettrez de toute façon le lien. C'est la présentation donc ici de ce DCD simulation. Et je vous remettrai le lien de nouveau donc d'où ça vient. Donc ça vient d'Italie. Je répète. Tout s'est super bien passé, allez voir la première partie, comme ça vous comprenez mieux. Mais je vous mettrai de nouveau le lien de ce superbe site, donc plutôt Facebook, puisqu'il communique via Facebook et Messenger. Donc il s'agit donc de DCD Simulation. Nous on va voir aujourd'hui vraiment les critères suivants. C'est déjà le placement de ces deux ventilateurs, puisqu'il y en a deux. Voir quel est le meilleur emplacement, puisqu'il y a pour moi un meilleur emplacement. Je vous ferai découvrir ça le long de cette vidéo. Et naturellement, au niveau réglage dans SimUp, puisque ce logiciel, ces ventilateurs fonctionnent avec le logiciel SimUp. Si vous ne savez pas ce que c'est SimUp, c'est le logiciel ultime pour toute la simulation, pour tous les jeux de simulation. Je vous mettrai de nouveau le lien si vous ne savez pas de quoi je parle. Et nous, on va découvrir directement la suite de cette découverte plutôt plus. Mais vraiment ici le test à 100% de ce DCD Wind Simulation 500 CFM. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de cette présentation. Et ici au niveau test et installation de ce fameux DCD Wind Simulation. Alors ici, mon choix a été fait de les installer ici. Donc je les ai montés ici. Donc j'ai un cockpit JCL. Et je vous montrerai plus tard pourquoi je les ai mis là et pas sur les côtés ou pas ici, etc. Moi en tout cas c'est pour moi le meilleur choix. Vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo le pourquoi. Ceci c'est une décoration. Je vais vous montrer après les effets que ça donne en fait en fonction des pourcentages. Puisque vous avez ici un système de ventilation qui va s'adapter en fonction de la vitesse que vous allez rouler. Donc vous roulez 50 km/h, vous allez avoir un débit d'air en fonction de la vitesse. Si vous roulez 100 km/h, etc. Donc quand vous êtes à fond, le débit d'air va être complètement différent. Il y a moyen de régler le débit d'air en fonction de la puissance dans le SimUp. Je vous montrerai ça tout de suite. Mais pour le reste, moi en tout cas, moi personnellement, et je répète, ça ne regarde que moi, je les ai montés ici. Bon, l'avantage du SIM, du cockpit JCL, ça bouge pas, je peux vous garantir, c'est vraiment du rock. Il y a vraiment une installation très aisée. J'ai voulu en fait recréer en les plaçant ici, c'est d'avoir un débit d'air qui remonte en fait. Maintenant vous allez me dire, vous allez pouvoir éventuellement, c'est à vous de voir, chacun est différent, chaque personne a une autre appréciation. Moi en tout cas je n'ai pas placé de bus, etc. Je trouve que comme ceci ça fonctionne parfaitement. Je reçois en fait un débit d'air qui vient vers le dessous et qui remonte tout doucement. Ce qui veut dire je n'ai pas une ventilation directement dans la figure. Moi je peux vous dire, ne faites pas l'erreur de les mettre ici par exemple et d'avoir vraiment cette ventilation dans la figure, parce que vous allez, personnellement je pense que c'est déjà pas très bon, et puis deux, vous risquez d'avoir, tombé malade, vous risquez d'avoir le nez qui coule ou les yeux qui coulent. Moi en tout cas je trouve que vraiment pour avoir testé un peu différents emplacements, pour essayer de trouver vraiment le meilleur emplacement, ceci en tout cas pour moi, si vous avez la possibilité de le mettre de cette manière là ou sur les côtés ou en dessous, pour que le débit d'air vienne du dessous et qu'il remonte tout doucement, que vous n'ayez pas tout dans la figure. Ici aussi l'avantage c'est que en fait c'est fixé, donc c'est droit, donc ici vraiment avec la puissance que ça donne ces deux ventilateurs, parce qu'il y a une puissance qui dégage de ces ventilateurs, vous allez allez, moi j'ai vraiment la sensation, vous allez voir dans la vidéo, que voilà, l'air vient du dessous, vraiment d'une manière naturelle, et pas comme si vous aviez allumé un ventilateur lorsqu'il fait chaud et que vous recevez ça, et vous le visez dans votre figure. Voilà, c'est une ventilation continue. Ici la différence c'est que vous avez une ventilation qui s'adapte en fonction de la vitesse, comme j'ai déjà indiqué. On va voir plus loin dans la vidéo comment ça se passe, mais on va d'abord se trouver dans SimUp pour voir comment se passe l'installation de ce système, donc de DCD
simulation. Donc c'est le 500 CFM, c'est le modèle que moi j'ai donc ici, et on se retrouve directement dans SimUp. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de ce test concernant ce DCD simulation, donc le Wint CFM 500. Alors ici on se retrouve directement dans SimUp puisque ce système fonctionne parfaitement avec SimUp. Je vous remettrai éventuellement le lien de SimUp si vous ne savez pas de quoi je parle. Alors ici la première chose à faire, c'est de pouvoir faire connaître le système, puisque vous avez vu dans la présentation de la première vidéo, vous avez en fait un petit boîtier, c'est une carte imprimée, et là vous allez vous brancher en USB, il va le reconnaître en système qu'on appelle Arduino. Donc ici vous allez simplement, une fois que vous avez tout branché, tout se passe vraiment plus gameplay, vous branchez, il n'y a rien à faire. Alors la première chose que vous allez devoir faire, dans mon cas, vous avez ici donc mon matériel, donc vous êtes dans Arduino, vous allez dans mon matériel, et là vous avez normalement la case qui est cochée sur Arduino désactivé. Vous allez choisir Arduino, donc un Arduino, puisque vous avez un boîtier. Si vous avez deux boîtiers, ben, vous en prenez deux et plusieurs et ainsi de suite. Donc dans notre cas, c'est un boîtier Arduino. Alors ici, une fois que ceci a été sélectionné, normalement ici il va vous faire une détection et puis vous allez voir qu'il s'affiche ceci. Donc voilà, il vous marque SimUp dash comme 6, donc il va utiliser le port 6, le débit, hein, et alors bon bah le reste, il indique qu'il y a deux moteurs, donc il y a deux, puisque c'est connecté, le petit boîtier, il y a les deux moteurs qui sont connectés, ou plutôt les deux ventilateurs sont connectés là-dessus. Alors ici je vous montre en fait le réglage que l'italien, en tout cas la personne de DCD simulation, m'a conseillé d'utiliser. C'est un, on va dire, c'est un réglage universel. Vous faites comme moi, il y a, voilà, si vous avez le meilleur réglage ici. Donc ici vous regardez bien que vous êtes sur 115 200, que vous avez une rotation de matrice sur 3, que vous avez utilisé la police de matrice TIC Hollow 8x8, et vous avez coché donc le clignotement de la matrice avec Redline et la vitesse de rafraîchissement. Voilà, vous laissez en fait ceci. Ceci vous pouvez laisser comme ceci, donc c'est à dire scanner tous les ports, comme ça il va scanner automatiquement si jamais par erreur, ou si jamais par exemple il y a le port communication devient 5 ou 4 ou 3, bah que si vous avez configuré par exemple sur 6 et que vous voilà qui change, bah il va plus le détecter. Donc laissez ceci scanner tous les ports, et pour le reste vous n'y touchez à rien, vous devez avoir en fait ce que j'ai ici sur l'écran. La deuxième chose, une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement aller sur le Shackles et vous allez tomber ici. Normalement, en principe, vous allez devoir avoir ici seulement un. Le fait que vous ayez deux moteurs ou deux ventilateurs, vous allez choisir deux. Et là, vous allez voir, vous avez normalement ceci. Alors, les premières choses ici que vous voyez ne sont pas intéressantes. Le plus important, c'est ceci, c'est Speed. Donc là, vous pouvez le mettre à 100%. Et vous avez ici en fait le gain. Vous voyez bien que votre gain aussi est à 100%. Et ici également à 100%. Alors vous pouvez déjà faire un test au prédéfini. Vous avez ici la possibilité de faire un test au niveau du moteur. On va regarder ça tout de suite, comment ça se passe. Mais je l'ai, voilà, vous entendez peut-être tout doucement la ventilation qui tourne. Mais on va regarder ça plus loin dans la vidéo, puisque je mettrai la caméra directement là-dessus, je mettrai SimUp en même temps en plus petit. Mais donc ici vous regardez les paramètres comme moi, veillez à ce que vous ayez deux sorties et veillez que vous ayez mis le speed sur 100 et le test le gain sur également à au maximum. Nous allons voir plus loin dans la vidéo que vous avez la possibilité de, par exemple, de dire d'avoir un débit maximum de 30, 40, 50 quand vous êtes à fond. C'est à vous de voir. Moi, je l'ai mis à 100%. Donc ici, vous avez vraiment le débit d'air maximum quand vous roulez à 100%. Donc la vitesse atteinte maximum. Maintenant, vous trouvez ça trop puissant. Vous pouvez le mettre à 80, vous pouvez le mettre à 70, 50. Voilà, c'est chaque personne est différente. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir régler effectivement la puissance dans le logiciel. Donc c'est à dire vous restez ici, vous allez dans effets, voilà, ceci est très important. Donc ici vous allez mettre votre feedback factor sur 30, je répète, ce sont des configurations que la personne m'a donné. Minimum force, c'est à dire c'est à quel moment ben il va s'enclencher, bon je l'ai mis sur 0, et voilà, maximum force 100%, c'est à dire il va au moment que vous atteignez la vitesse maximum, la vitesse on va dire en fonction du débit,
de la vitesse de la voiture, ben là, vous allez avoir 100% de puissance. Si maintenant vous trouvez ça trop, ben vous pouvez mettre 50, vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre 30. Vous voyez aussi, le graphique change, puisque là, automatiquement, il augmente. Donc, n'oubliez pas non plus, lorsque vous êtes dans effet, parce que je vais vous remontrer, normalement, en principe, ceci, il est sur off. Donc, c'est le fameux speed. Donc, pour l'activer, vous faites d'abord on. Et là, vous avez pouvoir, à ce moment-là, modifier ici. Donc, je répète, vous mettez ici sur 30. Minimum force, vous mettez sur 0, puisque le ventilateur s'éteint ou il ne s'allume pas lorsque votre voiture ne roule pas, ce qui me paraît logique. Vous pouvez mettre 5%. Allez, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vous conseille de mettre sur 0. Ici, c'est à vous de voir. Moi, j'ai utilisé 100% parce que je trouve voilà, que ça fout vraiment un effet quand même assez bien foutu. Le threshold sur 2 et vous mettez la curve style sur square, c'est le type de graphique en fait. Bon, ici il est mieux de le mettre sur square, c'est ce qu'a indiqué le gars. Et n'oubliez pas non plus donc d'activer donc le speed, puisque c'est ceci que vous avez besoin. Ne tenez pas compte du reste, ça c'est pour quand vous avez un bash shaker, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le système de ventilation. Je répète, la première chose que vous allez faire, donc vous allez dans Arduino, vous mettez donc sur un Arduino, vous copiez, faites la capture de cet écran là, vous faites la même chose. La deuxième chose que vous faites, vous allez simplement aller sur le nombre de moteurs, dont dans notre cas on en a deux. Vous faites la même chose que vous voyez sous l'écran, n'oubliez pas, le reste, tout ceci n'a pas d'importance. Le plus important c'est le speed, n'oubliez pas de le mettre à 100% et de mettre les gains ici également 100%. Et la troisième chose, c'est que vous allez pouvoir activer, puisque ceci s'active pour tous les jeux. Peu importe les jeux que vous avez, il va automatiquement, naturellement, en combinaison avec SteamUp, puisque les jeux doivent fonctionner à SteamUp. Donc ça, sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais donc, vous n'oubliez pas d'activer ce fameux speed. Il sera éteint normalement chez vous. Vous l'allumez, vous ne tenez pas compte du reste. Vous regardez, comme j'ai ici, 30, 0, minimum force, c'est-à-dire le ventilateur démarre, ne va pas démarrer quand vous êtes stationnaire, quand votre voiture ne roule pas. Et là, la puissance, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez avoir. Moi j'ai mis sur 100%, le threshold sur 2 et les curves sur square. C'est tout, il n'y a rien à faire. On va se retrouver directement pour voir la suite de cette test concernant ce fameux Wind Simulator 500 CFM. A tout de suite. Voilà les amis, on se trouve donc pour la suite de ce test de ce fameux DCD Wind Simulation. Donc je répète, c'est le 500 CFM. Alors ici, on va déjà voir ce que ça donne ici en premier temps concernant cette ventilation. Alors je vous ai mis ceci, maintenant tenez pas compte, c'est possible qu'il va voler dans ma figure. Simplement pour vous dire, vous avez la possibilité, une fois que vous avez connecté, vous voulez voir que ça fonctionne, vous pouvez faire, donc quand vous allez sur mixeur de la sortie du moteur, vous allez pouvoir tester. Voilà, regardez maintenant ici, là je suis à 30%, vous voyez progressivement que je vais monter. Et là on y va, là je suis voilà à 50%. Je suis pas encore à fond. Et on y va et on monte. Et là je suis à 100% de ventilation. Vous voyez déjà le débit que ça sort. Je peux vous dire, c'est vraiment énorme. Je peux vous dire, il n'y a qu'un ventilateur qui tourne. Le deuxième ne tourne pas. Je vais redescendre. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de régler. C'est pour ça que je vous montre ceci pour vous montrer en fait que le débit d'air va monter de cette manière-là, d'une manière progressive. Moi, je conseille en tout cas de le mettre ici, en tout cas vers le bas et pas vers la face, pas vers vous à l'avant, parce que vous allez recevoir tout le débit d'air dans la figure. Et là, vous n'allez pas pouvoir monter de cette manière-là. Ici, je vous montre ici le côté gauche qui se met en route. Maintenant, je vais... Car je vais vous dire, vous entendez peut-être dans le micro, et je vais mettre les deux en même temps. Voilà, ici vous avez les deux en même temps qui tournent. Donc là vous avez un débit d'air qui va vraiment... Moi je sens en fait l'air ici qui passe sur le dessous et qui remonte tout doucement. Je n'ai rien directement dans la figure en fait. Ça c'est vraiment génial. En tout cas pour moi je trouve ça vraiment génial. Je sens comme si j'avais la ventilation dans une voiture qui vient du dessous à vos jambes et qui remonte tout doucement. Donc je ressens vraiment ce petit vent frais dans la figure. Je pense qu'aussi pour les gens qui ont la VR, ça peut être vraiment très intéressant parce que je sens vraiment ici l'apport d'air frais qui est vraiment continu, puisque allez continue non, puisqu'il va varier en fonction de la vitesse. Mais vous voyez vraiment ici, il y a vraiment une puissance qui se dégage derrière. Alors la question peut-être qui va être posée,
Oui, c'est bien beau, Omet, mais qu'est-ce que ça donne au niveau nuisance sonore? Je peux vous dire que ça fait du bruit. Si vous achetez ce système-là et que vous n'avez pas, comme dans mon cas, ben, quand j'ai mon casque, je n'entends rien de ce qui se passe. Quand je suis dans le jeu, je n'entends pas les ventilations tourner. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand vous roulez, vous avez ce vent vraiment qui sort d'une manière, pour moi en tout cas, naturelle, mais je n'entends pas les moteurs tourner. Si j'enlève mon casque, je peux vous dire que oui, effectivement, c'est comme deux turbines qui tournent. Et pour vous montrer un peu comment ça se passe, ben, j'ai pris ici un. Pour mesurer les décibels, regardez, je vais arrêter de parler. Voilà, 47 dB. Regardez, je vais mettre un ventilateur en route. dB. Et je vais mettre le deuxième en route. Voyez? Donc, on va dire par rapport à où je suis. Un peu moins de 80 dB. Voilà, ça fait du bruit. Regardez, je vais les éteindre. Voilà, là je suis à moins de 40, moins de 50 dB. Donc effectivement, ça fait du bruit. Donc un peu moins de 80 dB une fois qu'ils sont activés. C'est des ventilateurs qui tournent effectivement. Mais je répète, moi je joue avec mon casque ici, je n'entends rien du tout. Effectivement, quand il tourne à fond ou quand voilà, quand il tourne généralement, parce que ben voilà, c'est bien, ben voilà, vous jouez avec un casque. Maintenant, vous jouez avec des haut-parleurs externes. Bon, voilà, vous avez le son externe, vous allez peut-être pas les entendre, mais en tout cas, ben, ils font du bruit, hein, faut pas rêver. C'est pas des ventilateurs de 5 volts qui tournent tout doucement. Non, il y a une turbine, c'est vraiment, c'est comme une turbine qui se met en route. Mais je répète, c'est pas que voilà que vous ayez. Voilà, faut pas exagérer non plus, mais c'est pour vous dire que bah, effectivement, si on me pose la question, ça fait du bruit, oui. Si je vous jouais avec un casque, bah, je vous garantis, vous allez rien du tout entendre, puisque moi je n'entends rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez vraiment le choix de mon placement vers le bas a été vraiment pour moi déterminant. J'ai pas besoin de mettre des bus, vous pouvez le mettre éventuellement vous-même, parce qu'en fonction des cockpits où vous êtes, mais ça c'est à vous de voir, c'est un choix personnel. Mais en tout cas, je peux vous dire, ça souffle super bien. Je peux pas vous montrer, mais en tout cas, voilà, j'ai maintenant avec ce côté gauche qui vient, ça vient vraiment d'une manière naturelle du dessous et ça remonte tout doucement vers le haut. Donc je n'ai pas le vent directement dans la figure. C'est un peu la question qui m'a été posée. Je regarde et j'ai mis les deux en route maintenant. Donc ici, ils tournent tous les deux à 100%. Donc vraiment, vous voyez vraiment, c'est ouais, ça dégage vraiment beaucoup de ventilation, mais franchement dit, pour moi c'est vraiment superbe, ça donne vraiment un superbe effet. Je répète, ça peut être très intéressant pour les gens qui ont à la VR, parce que là vraiment vous allez avoir ce vent qui remonte tout doucement d'une manière naturelle. En fait, je reçois le plus gros débit, on va dire, vers le bas, et ça remonte tout doucement, donc c'est vraiment pas tout le débit dans la figure. Voilà, donc ça c'est vraiment une manière où vous pouvez tester, parce que ça c'est très bien que vous pouvez tester directement dans SimUp, vous les placez, vous mettez à 100%, vous regardez comment ça se passe. Moi, en tout cas, franchement dit, pour moi, c'est ici le meilleur emplacement. Vous pouvez éventuellement les mettre derrière les écrans, ça pourrait être une idée, et de faire sortir deux bus. Voilà, c'est à vous de voir un peu en fonction de la config. Ici, ils sont assez discrets. Voilà, il y a, pour moi, en tout cas, ça me satisfait largement. Nous allons voir maintenant le test, comment ça se passe. Directement, on va prendre par exemple un jeu. Je vais prendre par exemple Astro Competition. Voilà, que c'est le jeu que je joue pour le moment. Je vais vous montrer simplement comment ça se passe dans Astro Competition. Pour le reste, je répète, vous ne devez rien toucher ici. Vous suivez les réglages que je vous ai donnés et vous minimalisez SimUp. Ne l'éteignez pas, ne faites pas l'erreur de mettre l'appui sur la croix ici en haut. Vous le minimalisez et il va s'enclencher automatiquement dans le jeu. On se retrouve directement dans quelques instants pour voir la suite de ce test concernant ce DCD simulation et c'est le DC, donc c'est le 500 CFM. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc ici pour le test final, on va dire directement dans le jeu. Vous allez voir, j'ai utilisé ici la caméra, donc ici vous allez voir vraiment
en fonction de la vitesse que vous allez faire, ben, les papiers vont vraiment avancer de plus en plus. Donc vous allez voir, ça donne vraiment, pour vous faire une idée de la, voilà, il y a de la puissance derrière, vraiment, il y a un super débit. Tenez compte que c'est compatible avec tous les jeux, que ce soit tous les jeux qui sont, on va dire, qui supportent SteamUp, que ce soit Assetto, e-Racing, R-Factor, peu importe, Race Room, voilà, j'en passe. Donc ce système de ventilation fonctionne parfaitement. Je m'excuse d'avance si vous allez avoir un peu de souffle, dans le micro. Je peux pas l'enlever. Ça vous donne aussi une idée de que voilà, que vous allez avoir du vent pendant que vous roulez, qui pourrait un peu nuire dans votre conversation vocale. Je vais voir peut-être que s'il n'y a pas de possibilité d'isoler ça avec un filtre ou autre. Voilà, je vais voir un peu si je peux améliorer ça quand je fais du vocal, parce que c'est vrai que quand vous avez un bruit de vent comme ça dans les haut-parleurs, c'est pas très agréable. Donc je m'en excuse d'avance. Vous l'avez entendu également dans il y a quelques minutes quand je vous ai quand j'ai mis les ventilateurs en route. Donc désolé. En tout cas, ben, c'est pour un peu vous montrer, quand je fais un test, je vous montre en fait toutes les facettes aussi des avantages mais aussi des inconvénients. Donc c'est à vous de voir. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir progressivement. Donc je suis en pit limiteur. Donc ici, vous voyez tout doucement le débit. Donc le débit va se faire en fonction de votre vitesse. Voilà, je suis à 45 km/h. Allez, on va accélérer un peu. Là, vous voyez déjà, si je n'ai pas le papier dans ma figure, c'est un miracle. Là, je suis à 60 km/h et là, je peux vous dire que on va y aller maintenant. Voilà, là, les moteurs vont tourner à fond. Vous voyez aussi progressivement, je décélère doucement. Vous voyez que ceci va suivre vraiment en fonction de votre vitesse. Alors, je répète, essayer de me concentrer aussi pour pas faire de la merde ici en roulant. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un débit d'air agréable. Vous l'avez pas en pleine face. C'est pour ça que je vous conseille, moi en tout cas personnellement, de le mettre, si vous avez la possibilité, de le mettre comme ceci en dessous. Ou vous le mettez sur les côtés, derrière l'écran on va dire, avec une buse éventuellement. Mais faites en sorte qu'il ne soit pas dans la figure. Ça ne sert à rien. Et puis deux, c'est pas agréable. Je peux vous dire que après une demi-heure, vos yeux vont couler. Ça, je suis sûr et certain. Ici, je sens vraiment le vent venir du bas. Et vraiment agréable, d'une manière agréable. Pas continuer, parce que c'est en fonction de votre vitesse. Nous allons ici accélérer. Voilà, ici on va aller à fond maintenant. Et on sent bien vraiment ce vent frais qui remonte. Vous le voyez bien au papier. Vraiment très 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 agréable et très immersif en même temps. Et je les entends pas tourner dans mon casque en tout cas. Puisque je vous dis, on n'entend rien quand vous avez un casque. Voilà, hop. Donc ici, vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Et on se retrouve directement pour faire la conclusion de ce test sur ce fameux DCD simulation. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la conclusion donc de ce test de ce fameux donc DCD simulation. Donc c'est le Wint 500 CFM. Moi en tout cas, si je peux donner mon avis vraiment d'une manière objective, est-ce que c'est utile?
Oui et non, dans le sens que ben, moi, en tout cas pour moi, oui, puisque moi j'étais à la recherche d'un système qui ventile, que j'avais une bonne ventilation, puisque je sais pas si vous vous rappelez, avant j'avais deux petits ventilateurs qui tournaient sur 5 volts. C'est bien, c'est un petit apport frais, mais c'est pas suffisant. Je peux vous dire qu'après une demi-heure ou une heure de course, j'avais pas, même pas l'impression que je devais regarder si il fonctionnait, parce que voilà, le débit est, voilà, n'est pas suffisant. Maintenant, c'est pas le but d'avoir des rafales de vent dans la figure, c'est pas le but. De nouveau, ici je tiens vraiment à préciser, c'est votre emplacement est très important. Je répète, ne mettez pas ces ventilateurs, en tout cas ce système-là, ici par exemple, dans votre figure, parce que là, je peux vous dire que vous allez vous attraper, votre nez va couler, vos yeux vont couler, vous allez attraper la crève, je suis sûr et certain, puisque quand vous transpirez et puis ce vent, c'est pas le but, moi. En tout cas, il faut vraiment trouver le bon endroit pour le placer. Moi, en tout cas, pour moi, je trouve qu'ici, c'est vraiment l'idéal, si vous savez le placer de cette manière-là, que le vent vienne du dessous et remonte vers le haut. Franchement dit, c'est, moi je trouve ça même intéressant pour les gens qui ont de la VR, parce que vraiment vous avez cette sensation de fraîcheur qui descend et qui remonte comme ça, qui suit en fait votre corps, qui longe votre corps et qui remonte vers la figure, et pas vraiment une rafale de vent en direct sur la figure. Vous avez l'intensité que vous pouvez régler aussi, donc moi je l'ai mis à 100%, donc il avance en fonction de la vitesse. Si vous trouvez ça trop fort, vous pouvez diminuer. Voilà, je vous ai montré comment faire. Au niveau placement, il n'y a rien à dire. Voilà. Vraiment, pour le reste, ça fonctionne nickel. Ça réagit au quart de tour. Une fois que vous avez configuré ça dans SimUp, vous n'avez plus rien à faire. Ça se fait automatiquement. Il s'éteigne automatiquement aussi. Une fois que vous arrêtez de rouler, vous coupez votre jeu. Il n'y a pas d'interrupteur. Il n'y a pas besoin d'allumer ou d'éteindre. Si jamais par hasard vous voyez que voilà, il ne s'allume pas, vérifiez toujours dans SimUp si par hasard il y a quelque chose qui n'est pas désactivé. Voilà, vérifiez toujours si vous voyez, bah, tiens, ça fonctionne pas. Ou si votre SimUp est désactivé. Parce que si vous désactivez votre SimUp, ben, vous n'avez rien à voir sur votre display, mais vos ventilateurs ne vont pas fonctionner non plus. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'étais clair dans ma présentation. Si jamais vous avez encore des questions, que des choses que je n'ai pas expliquées ou peu importe, vous pouvez toujours les poser dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir de voir, ben, tiens, quel est votre avis. Je répète, par rapport à ma première vidéo, ben, si vous avez un système similaire ou autre, ben, donnez votre avis au niveau prix et votre ressenti et votre placement, etc. Bon à savoir, puisque voilà, moi j'essaye de partager ma passion, donc partagez aussi vous vos idées et vos critiques ou peu importe, donc c'est toujours bien de savoir ce que vous en pensez. Si naturellement vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, et alors voilà, quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.